On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la programmation 2013-2014 du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Plusieurs activités, programmation, bénévolat, le centre qui entame cette année sa 31e année d'existence. Mais d'abord, parlons d'un nouveau roman pour l'auteur joannais Viateur Lefrançois, et le roman s'appelle « Poursuite dans les Alpes ». L'auteur joannais Viateur Lefrançois nous présente un nouveau roman, Poursuite dans les Alpes, qu'on a ici d'ailleurs avec nous. Et l'auteur est également avec nous, Viateur Lefrançois. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. C'est le quelième? En fait, c'est le 16e vraiment publié, si on peut dire, de mes romans. Bon. L'écriture vous passionne depuis combien d'années? En fait, ça fait 20 ans cette année que j'ai publié mon premier roman, qui se passait en Gaspésie. Donc, roman adulte cette fois-là et le 16e. Quelle a été l'évolution de votre écriture entre le premier et le 16e? Ben, en fait, les trois derniers, c'était plus des romans historiques. Donc, ça a été vraiment une découverte aussi d'écrire des romans historiques sur les patriotes, Louis Riel. Ça a été vraiment passionnant. C'est les recherches et les conférences qui s'en suivent. Donc, ça ouvre beaucoup de portes, on peut dire. Qu'est-ce qui est le plus plaisant? Faire la recherche ou faire la synthèse et écrire sa finalité? Personnellement, tous mes romans, pratiquement, ce sont des recherches. Ouais. Et je dois faire des recherches parce que ça se passe dans différents pays, dans différents lieux. Et c'est sûr que les recherches, ça me passionne parce que j'apprends. J'apprends beaucoup de choses, oui. Quand on fait justement de la recherche et ensuite, évidemment, qu'on fait l'exercice d'écriture, est-ce qu'il y a toujours un petit point d'interrogation qui nous guette à savoir est-ce que j'ai fait une erreur factuelle, une erreur dans les temps, les lieux, les années, je ne sais trop. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient hanter l'auteur quand il présente sa maquette là, à l'éditeur? Je dois dire que, ah oui, c'est sûr, surtout historique. Écoutez, la chronologie doit être pratiquement parfaite, hein. C'est sûr, les personnages. Il faut que ça se tienne, c'est ça. Ah, absolument. Puis en même temps, comme je fais des romans d'aventure, mes romans historiques, il faut aussi que tout ça s'imbrique un dans l'autre, toutes les aventures, toutes les dates et tout ça. Et la chronologie, c'est sûr que c'est très important. Mes romans qui se déroulent, que ce soit en Grèce, au Guatemala ou en Suisse, c'est moins compliqué, c'est sûr, faire la recherche, mais la recherche est importante dans le sens de la géographie. D'où est venue l'idée d'écrire celui-ci, Poursuite dans les Alpes? Lui, c'est une belle histoire. Hein? Derrière chaque livre, il y a une belle histoire. Et celui-là, c'est une tournée que j'ai faite. J'ai été invité d'abord au Salon du livre de Bruxelles, il y a quelques années, et un hasard fait que je suis aussi invité au Salon du livre de Paris, qui est presque trois semaines plus tard. Donc, entre les deux, je ne voulais pas revenir ici puis retourner. J'avais du temps à tuer, là. Exact. Donc, finalement, j'ai osé, si on peut dire. J'ai envoyé un courriel à toutes les bibliothèques et écoles de Suisse francophone. Et j'ai dit, bon, ben, je suis chez vous dans telle date. Et finalement, j'ai rempli 10 jours facilement d'école. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces 10 jours-là? Ah, ben j'ai visité les écoles, les bibliothèques de Suisse francophone et les bibliothécaires m'hébergeaient à chaque endroit. Donc, c'était vraiment un voyage fantastique, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez appris durant ce court séjour? Ah, en Suisse, en fait, d'abord, c'est un pays merveilleux, hein, les montagnes, c'est tellement inspirant. J'ai demeuré chez des gens, donc, à côté, il y avait un vignoble. Derrière, c'était les Alpes. Donc, imaginez-vous, tout ça fait que ça a été... Et en plus, j'ai découvert que... et c'est ce que j'ignorais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vignobles en Suisse, dans le pied des montagnes. Hein, ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et le dernier endroit où j'ai demeuré, ben, c'était dans un vignoble. Et les jeunes faisaient de l'escalade, vous voyez. Est-ce que c'est cliché ou est-ce qu'il est vrai? Avez-vous mangé du chocolat, de la fondue, de la raclette savoyarde? Je ne sais pas, ce qu'on vous a initié à la culture culinaire du pays? Ben en fait, en demeurant chez des gens à Genève,
Il y avait même une cave de vin rare, donc finalement, oui, c'est sûr. Les écoles où j'allais me donnaient des cadeaux à chaque école. Donc, encore là, j'en ai eu du chocolat, oui, ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que ça raconte, poursuite dans les Alpes? En fait, ce sont des jeunes guides de montagne qui guident d'autres jeunes dans les Alpes, donc des jeunes alpinistes en formation. Et il y a, dans ce voyage-là, il y a la jeune fille qui sont cinq. Il y a une jeune fille qui est la fille d'un ministre important de Grande-Bretagne. Et bien sûr, tout à coup, c'est un hélicoptère qui arrive et qui, finalement, les surveille, les poursuit. Donc, ils en veulent à la jeune fille. Donc, les jeunes vont finalement essayer de la protéger. Et donc, c'est sûr que c'est une poursuite, justement, dans les Alpes, dans les montagnes. Donc, c'est assez intéressant. Ça donne une écriture qui est très imagée, je présume, pour le lecteur qui se crée des repères visuels sur les lieux, les personnages, la poursuite, l'hélicoptère. Ah oui, exactement. Même une descente en rivière, parce qu'il y a aussi un gros orage, donc une inondation qui a lieu. D'ailleurs, c'est une vraie inondation qui a eu lieu, je pense, deux semaines après mon retour, des vallées inondées. Donc, j'ai pris aussi cet exemple-là pour faciliter, si on veut dire, ajouter de l'aventure aussi. Donc, on est dans les plus hautes montagnes du monde, pratiquement. Là, c'est vraiment fantastique à lire. Je regarde ce bouquin-là, mais je regarde également les autres sur la table. Vous avez pas mal toujours un format qui se ressemble, donc c'est quand même… Format poche, oui, mais avec quand même un caractère d'écriture qui est assez agréable, disons. Oui, en fait, pour ne pas décourager trop les jeunes. Non, c'est sûr. Je veux te montrer parce que moi, évidemment, je trouve ça intéressant. C'est pas décourageant, là. Absolument, oui. Le format est intéressant, la police qui est utilisée au niveau des caractères. On parle d'un bouquin de quoi? De 200 pages. Ouais, donc, ouais. Ça se lit quand même relativement bien. Oui, oui, oui. Et puis, il y a des guides d'activité. L'édition du Phoenix fait des guides d'activité. Donc, nos livres vont beaucoup dans les écoles. Ça aide beaucoup les auteurs, vraiment, à pénétrer. Quel est le public cible de celui-ci? 9-14 ans, parce que mes personnages ont de 9 ans à 14 ans, parce que ce sont les ados qui sont les guides et les jeunes qui les accompagnent et tout ça. Donc, 9-14 ans facilement. Bon. Est-ce qu'on s'inscrit dans ce qu'on appelle les romans jeunesse? Ah oui, absolument. Oui, donc, on est toujours dans le roman jeunesse. Oui. Parce que vous avez fait d'autres choses également, mais qui s'adressaient plus à un public adulte. Là. Oui, comme Louis Riel, là, c'est sûr. Je vais le présenter ici. Louis Riel, c'est une découverte. Hein, et c'est un héros, quelqu'un qui va au bout de son but, hein, de défendre les Métis français de l'Ouest. Ça aussi, c'est incroyable tout ce qu'il peut avoir vécu, cet homme-là. C'est en même temps la vie des Métis français de l'Ouest. Bon. Et quel est l'autre que vous nous avez amené? En fait, ceux-là ici sont… C'est une série, ça? Chemin de la liberté, qui est les Patriotes de 1837, Chemin de l'exil 1838, mais aussi jusqu'en 1840 pour avoir toutes les conséquences de perte, finalement. Donc, je fais ça sur des modèles de romans d'aventure, jeunesse, justement, pour aller en pensant aux grands ados qui étudient ces livres-là dans les secondaires 2, 3, 4. Donc, je sais pas, voilà. Et parmi les autres que vous nous avez amenés ici, je vais les prendre comme ça. Donc, Aventurier des mers, ça se passe en Grèce. C'est un voyage que j'ai fait. Mon voisin, quand je suis arrivé, il s'était fait attaquer, voler son bateau. Alors moi, j'ai changé pour un bateau scientifique qui se fait attaquer. Donc, le thème des pirates des temps modernes. Bon, vous avez aussi un fabuleux voyage à Dragon Village. Oui. Une belle petite histoire derrière, c'est que, en fait, ma sœur et moi, on l'a écrit pour nos petits-enfants respectifs, pour démontrer qu'on peut réaliser nos rêves. Là, mes petits-enfants, j'en ai déjà 3 qui l'ont lu, là, sur 6. Donc, voyez. Chevaux des dunes, le trésor de l'Acadien. Oui, ça, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais en Nouvelle-Écosse. J'ai rencontré un biologiste qui va sur l'île de Sable chaque année. Donc, les chevaux sauvages existent vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chevaux-là appartenaient aux Acadiens à l'origine. Et quand il y a eu la déportation, bien, il y a un bateau anglais qui les a mis sur l'île. C'est comme ça qu'on les retrouve. Otage au pays du Quetzal sacré. C'est à quel endroit dans le monde, ça, le Quetzal sacré? Guatemala. C'est le, en fait, le...
Le thème du Guatemala, c'est la monnaie du Guatemala. Donc, et le Quetzal, mais c'est un oiseau, le plus bel oiseau du monde. Donc, et ça, mais c'est un roman espagnol que j'ai eu en langue espagnole et qui s'est vendu à 115 000 exemplaires. Et wow. L'histoire est sortie, c'est celui-là, finalement. Qu'est-ce qui vous reste à écrire maintenant? En fait, plus qu'on en écrit, plus qu'on a des idées. Alors, c'est sûr, j'ai un fantastique qui est déjà écrit, un livre fantastique qui se passe au Pérou. Donc, encore faire voyager les jeunes. D'ailleurs, c'est ce que j'aime, faire voyager les jeunes, les faire rêver. Et quand je fais mes animations dans les écoles, j'ai fait rêver avec des images de tous ces pays que je vous présente là, aujourd'hui. Donc, j'ai un diaporama d'images. Donc, c'est intéressant de voir comment les jeunes voudraient, mais ils n'osent pas, hein, comme moi j'ai fait. Quand j'avais 20 ans, je voyageais tout simplement, je partais. Je n'avais pas d'argent dans mes poches, mais je ne savais pas quand je revenais, mais c'est pas grave. Ouais. Bon, là d'ailleurs, vous êtes, oui, reconnu pour vous promener un peu partout là, dans les différents salons littéraires, pas juste au Québec, mais également à l'étranger. Mais là, ici, localement, il y a deux événements qui s'en viennent. En fait, Un qu'on aime bien, là, c'est le marché de Noël, au marché public, sur deux fins de semaine. Là, en fait, les 6, 7, 8 et 13, 14 et 15 décembre. Oui. Donc, vous allez avoir un kiosque. Oui, on a accepté. Là. Je suis bien content. Ça fait deux ans que je ne suis pas allé. La première année, surtout que j'avais mes romans sur les Patriotes cette année-là, donc ça a vraiment bien fonctionné. Donc, je pense bien que j'avais attiré pas mal de monde. Et cette année, bien, j'espère que ça va faire la même chose. Mais l'idée, juste l'atmosphère du marché de Noël, c'est très bien. Bon. Et très prochainement, le samedi 30 novembre, de 9h à 16h, il y a le Salon des artisans à l'école Marie-Rivier. Oui, celui-là, bien, en fait, c'est pour ramasser des fonds pour l'école. C'est une école alternative, donc... c'est intéressant, finalement, j'ai accepté de participer. Surtout que cette année, je vais pas au Salon du livre de Toronto, donc finalement, je reste dans ma région. Donc, je trouvais ça intéressant d'aider l'école. Donc, le petit niveau, poursuite dans les Alpes de Viateur Lefrançois, roman jeunesse, si vous avez des jeunes de 9 à 14 ans, peut-être 15, bien, peut-être 40 ans, on ne sait pas. Ça peut intéresser tout le monde. Absolument. Ça peut intéresser tout le monde. Donc, Viateur Lefrançois, donc, qui, comme il l'a dit lui-même, sera au marché de Noël, notamment là, au cours des deux fins de semaine du mois de décembre. Meilleure des chances dans la poursuite de votre œuvre. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la programmation 2013-2014 du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Maintenant de la programmation 2013-2014 au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Trois invités pour en parler. D'abord, Pierrette Marcotte, bonsoir à vous. Bonsoir. Brigitte Lacaire, bonsoir. De même que Dominique Parizeau, qui est bénévole, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Mme Marcotte, parce que, bon, le Centre entame sa 31e année d'existence. Et vous êtes là quand même relativement stable depuis quelques années au Centre communautaire Saint-Eugène. Oui, ça fait depuis 2007 qu'on loge à cet endroit. On a créé un lieu d'appartenance et on espère pouvoir y rester longtemps aussi. Bon, êtes-vous en renégociation pour le bail ou tout ça? Oui, là, il y a des négociations en cours pour voir à prolonger notre séjour là et de développer aussi nos projets sur place. Parce qu'on a des projets en sécurité alimentaire et on trouve que, justement, l'environnement répondrait à nos besoins. Donc, d'ailleurs, il y a quelques semaines, on avait reçu Mme Brigitte pour nous parler notamment de sécurité alimentaire, qui est un volet important de votre programmation. Mais dans l'ensemble, si on avait à résumer, disons, les activités ou les programmes qui sont offerts au Centre de femmes du Haut-Richelieu en 2013-2014, ça ressemble à quoi? Bien, disons que ça a évolué depuis, en fait, 10 ans, alors qu'au tout début, il y a 10 ans, moi, je suis arrivée là, il y a 10 ans, on avait essentiellement un programme d'aide psychosociale qui s'adressait aux femmes en difficulté avec des activités, en fait, de sensibilisation et
d'ateliers d'éducation populaire, on s'est aperçu que c'est bien de travailler sur les individus, mais que si on voulait faire des progrès en matière d'autonomie économique des femmes et d'autonomie affective, il fallait aussi travailler à mobiliser les communautés. Donc, on a développé plusieurs programmes, dont le programme de mentorat en gouvernance, on est en notre quatrième année là, avec ce programme-là. La sécurité alimentaire étant un programme aussi qu'on a mis sur pied depuis 3 ans. On a aussi développé un programme jeunesse, donc on a des ateliers de sensibilisation sur les comportements égalitaires auprès des jeunes. Puis c'est sûr que aussi on a développé beaucoup le programme de bénévolat dont notre collègue ici, Dominique, va vous parler, mais toujours dans le but de favoriser la participation citoyenne et faire en sorte que de tisser les réseaux sociaux des femmes pour atteindre nos objectifs. Combien de femmes font appel à vos services dans une année courante? Ça augmente d'année en année parce qu'on a développé notamment en ruralité, donc on touche, il fut un temps qu'on a touché la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je vous dirais, bon an, mal an, c'est 3000 et plus appels qu'on reçoit de toute nature, que ce soit pour des problématiques particulières qu'on doit adresser ou pour faire en sorte que les femmes s'intéressent. Par exemple, il y a des gens qui connaissent maintenant nos activités, ouais. Donc vont s'intéresser soit à s'inscrire au programme de mentorat. Mais on gère au moins 3000 appels annuellement. Là, vous l'avez évoqué là, il y a quelques instants. Donc auparavant, le territoire desservi était principalement la zone urbaine de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, vous vous êtes développé au fil des ans dans la MRC du Richelieu, donc dans le volet plus rural. Oui. Oui. Ce fut un défi de faire ce développement-là parce que il y a une spécificité dans nos ruralités, c'est des communautés dont la densité n'est pas très, très forte. De rejoindre les gens, ça nous pose en fait… distance, transport. Tout à fait. Ouais. Et les femmes sont d'autant plus isolées à cause de tout ça. Donc, c'est là qu'en faisant notre tournée des ruralités, on a fait émerger les besoins et la sécurité alimentaire est venue tête de liste. Alors, on a accompagné les femmes qui souhaitaient développer des initiatives, soit avec les cuisines ou les jardins. Puis on est encore en développement. Comme je le disais tantôt, la sécurité alimentaire, on a fait le tour de la question il y a quelques semaines. Mais il y a aussi le volet des ateliers dans les écoles, ce qui s'inscrit aussi dans le volet de sécurité alimentaire. Effectivement, dans la tournée des ruralités ou dans notre mission de développer des groupes de cuisine collective en ruralité, on a aussi le souci de faire des partenariats avec les organismes déjà existants. Puis j'avais oublié de mentionner que les écoles faisaient partie des organismes avec qui on travaille. Et puis, 4 écoles l'an dernier qui ont participé à notre programme de sécurité alimentaire en faisant… On a adapté la cuisine collective avec les enfants du primaire en fonction de la disponibilité, leur disponibilité, l'énergie que l'école pouvait mettre en termes de ressources humaines, les professeurs. Donc, ça pouvait aller de faire une collation, puis santé, bien sûr, puis en apprendre plus sur le produit utilisé, par exemple, du tofu ou des aubergines. Et puis, ça a été jusqu'à faire un repas complet. Donc, aux 2 semaines, une classe qu'on confectionnait son entrée, son plat principal et son dessert. Êtes-vous en train de me dire qu'il y a des enfants qui ont mangé du tofu puis de l'aubergine? Il y a des enfants. Ils ont trouvé ça bon? Tout à fait! Non, c'est vrai que c'est bon. Il faut que ça soit bien apprêté, là, mais je fais une blague. Quelles sont les écoles qui ont participé? Vous parlez de 4 écoles? Oui, j'ai peur de me mélanger dans les noms, fait que je vais y aller avec les municipalités à Henryville et puis à Saint-Sébastien. Puis de l'autre côté de la rivière, ça a été Saint-Blaise et puis Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Et Clarenceville, 5 écoles au total. Oui. Donc, Mme Parizeau, parce qu'évidemment, tout organisme a une permanence là, quand on est en mesure de se la payer, mais ça prend un apport bénévole important. Parlez-nous du programme de bénévolat qui existe au centre. C'est un petit peu nouveau. Il y a toujours eu des femmes qui sont impliquées, qui sont disponibles. Mais là, cette année, il y a comme un programme qui est là. Puis, on a fait appel à plusieurs membres qui viennent au centre, là, des femmes. Puis, selon leur aptitude, leur temps, le temps libre, bien, elles peuvent s'impliquer dans le centre. Puis, ce qu'on entend au centre de femmes depuis, moi, ça fait 4 ans que j'y vais, là, c'est que le centre des femmes nous appartient. C'est notre centre des femmes. Fait que c'est une bonne idée que les femmes s'impliquent. Si elles ont du temps à donner, elles s'impliquent au centre. Selon
ce qu'elles peuvent faire. Puis il y a toujours quelque chose qu'on peut faire au Centre des femmes, que ce soit aider Brigitte dans les cuisines, que ce soit des enveloppes, mettre des lettres dans des enveloppes, que ce soit être à la réception. Il y a une foule de choses qu'on peut faire pour aider. Bon, vous-même, il y a 4 ans, quand vous avez mis le pied au Centre de femmes, qu'est-ce que vous aviez derrière la tête? Qu'est-ce que vous aviez besoin d'aller chercher au Centre? Mon but premier, c'était de sortir de l'isolement. Moi, personnellement, c'était ça. C'était juste ça. Puis, quand je suis arrivée au Centre, ça répondait à mes besoins. Mais après ça, après avoir été... Il y a le désir de s'investir, puis de mettre du temps, plus que tu t'impliques, plus que tu apprends toutes les possibilités. Et je m'impliquais dans... Je m'inscrivais dans tous les ateliers. Puis là, après ça, c'était une affaire emmène une autre affaire. Puis à cette heure, bien là, je fais du bénévolat, je fais l'accueil. Est-ce que pour vous, le pas a été difficile à franchir entre le fait de réaliser que oui, je suis isolé, puis je veux briser l'isolement, puis dire, bon, je vais m'inscrire dans un organisme, puis je vais... Bon, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on pose le premier geste? Moi, en plus, c'était un pur hasard. J'étais dans un parc, je prenais une marche, j'ai rencontré une femme qui me dit, tu devrais aller au Centre des femmes, mais je sais pas c'est où, je sais pas c'est quoi. Bien, elle me dit, c'est juste là, la bâtisse brune, c'était à 2 minutes de chez nous. C'était à 2 minutes de chez nous, je ne le savais même pas. Puis, je ne suis pas allée tout de suite. Je n'ai pas eu le courage d'y aller. Je me suis dit, je vais laisser passer les fêtes, puis après les fêtes, je verrai. Puis là, j'ai vu une annonce dans le Canada français. Puis là, je me suis dit, je suis vraiment nounoune de rester chez nous. Là, c'était à 2 minutes de chez moi. Puis, j'ai fait le pas, puis je suis allée une fois, puis je suis retournée à toutes les semaines après. J'ai pas manqué une semaine depuis 4 ans, je vous dirais. Là, Mme Marcotte, vous êtes en appel de candidature pour 2-3 choses. Bon, il y a la bourse Carrie Doré, puis en même temps, le Centre prépare toujours la Journée de la femme au mois de mars, puis là, il y a personnalité féminine de l'année, tout ça. Donc l'appel de candidature est ouvert, à la fois pour la bourse Carrie Doré, qui est une bourse qui est décernée par notre députée du comté d'Iberville, Marie Bouillet. Ça s'adresse aux femmes qui s'impliquent soit à titre de professionnelle ou d'étudiante en sciences. Donc, c'est en mémoire de Carrie Doré, qui était une des féministes pionnières qui vient de Clarenceville, que cette bourse-là a été créée. C'est quand même une bourse de 1 000 Donc, c'est une bourse de mérite. Et puis, il faut déposer un dossier, bien sûr. Donc, on invite les femmes qui œuvrent en sciences ou les étudiantes qui souhaitent poursuivre leur carrière à déposer leur candidature. Et elles peuvent soit appeler au Centre ou consulter le site Internet pour télécharger, en fait, les critères d'admissibilité et le formulaire pour s'inscrire. Et pour ce qui est du titre de personnalité féminine de l'année? C'est la même chose. Le concours est lancé. Donc, il y a 2 catégories, catégorie professionnelle, catégorie communautaire. Encore une fois, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'ombre, qu'on veut reconnaître, on veut utiliser cette journée-là pour nous dans le Haut-Richelieu, pour mettre en lumière le travail de ces femmes-là, faire le bilan de ce qui a été réalisé, des acquis, mais ce qui reste à faire aussi. Ouais. Puis c'est important pour nous que ces femmes-là soient reconnues pour, en fait, leur contribution à l'avancement de la communauté. Vous avez parlé tantôt là, du mentorat en gouvernance, quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, dernière campagne électorale ici à Saint-Jean, aucune candidate à la mairie, mais quand même beaucoup de candidates dans les quartiers. Au final, il y a 4 femmes sur 12. C'est quand même une amélioration par rapport. Donc, Mme Marcoux n'est plus seule. Elle est accompagnée de Patricia Poisson, Claire Charbonneau, Hélène Dufresne, qui est issue du communautaire. Bref, ça change un peu la donnée. Oui, les femmes ont maintenant ont plus de porte-parole à l'Hôtel de Ville, disons. Bien, j'avoue que durant la campagne, évidemment, on a vu que c'était seulement des hommes qui se présentaient. Je trouvais ça un peu boys club. Mais nous, on a fait, en fait, par la bande, en les rencontrant, on leur demandait, bien, est-ce que vous avez fait un effort de bâtir votre équipe, d'avoir des femmes? Et je pense qu'il y en a eu qui ont fait plus d'efforts que d'autres, mais ça a donné les résultats aussi, parce que si on ne présente pas de candidats de femmes, c'est sûr qu'il n'y en aura pas d'élus. C'est clair. Et là, je crois qu'il y en avait beaucoup plus de candidats cette année, puis ça. On voit que ça a porté fruit. Là. On a quand même fait une petite avancée. Madame Brigitte, sur le site Internet, qu'est-ce qu'on retrouve pour le Centre de femmes? Les gens qui seraient intéressés de connaître votre programmation?
Bien, en fait, justement, toute la programmation est sur le site. Nos programmes en sécurité alimentaire, mentorat en gouvernance, jeunesse se retrouvent sur le site. Les appels de candidature pour les bourses, le calendrier de nos activités mensuelles. Est-ce que j'oublie des choses, mesdames? Avez-vous besoin de bénévoles? Tout le temps, effectivement. Puis on les apprécie beaucoup. En fait, c'est des bénévoles de qualité. Ça peut aller de même, on fait de la formation des bénévoles pour faire de l'intervention auprès d'autres femmes, l'accueil. On en a qui nous aident à rentrer nos données. Donc, il y a une variété de tâches là, qui peut être faites par elles. Et puis, on les apprécie beaucoup. À vous trois, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous savez que dans la région, il y a 3 clubs de marche qui sont disponibles. Je pense qu'il y en a dans le jour, il y en a le soir, aussi pour les mamans enceintes et ces choses-là. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site internet aviforme.ca pour connaître la liste des clubs disponibles dans la région. Lundi, le 18 novembre dernier, c'était la première séance du nouveau conseil de ville avec le maire Michel Fecteau et le nouveau conseil. Donc, on a fait la captation vidéo de ça et on va vous présenter au cours des 2 prochaines semaines des extraits vidéo. Télébingo, il y a toujours 3 500 en prix à chaque semaine. En fait, la carte pleine est à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, vous allez sur le site Internet ou vous téléphonez ici même. Vous savez que le Télébingo est diffusé à tous les dimanches matins, 9h30 en direct au câble 9, et non pas le 609, le câble 9. Télévision du Richelieu, nouvelle adresse 145 rue Richelieu. Pour me joindre, Éric Latour à commercial.tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Nos entrevues sont en format YouTube, donc facile à voir sur les appareils iPhone et iPad. Facebook.com/tvhr9, on vous invite à, bien sûr, aimer notre page. C'est très simple, vous cliquez « J'aime » et nous, on se revoit bien sûr demain. Prochain rendez-vous, DéricLatour.com. Bye-bye.